Lady Gaga ne cache pas son amour pour la marijuana. En fait, elle admet que son dernier album a été enregistré sous l'influence de cette drogue. Mais la star de 28 ans a fait tiquer quand elle a révélé que sa consommation d'herbe a tourné à la dépendance quand elle a souffert de sa blessure à la hanche qui l'a confinée dans une chaise roulante. Selon certains rapports, Lady Gaga n'aurait pas arrêté de fumer afin d'alléger la douleur insoutenable qu'elle ressentait concert après concert. Elle aurait dit au magazine Attitude qu'elle cherchait à s'engourdir et faire passer la douleur en dormant avant de remonter sur scène, en descendre et fumer à nouveau. Elle ajoute qu'elle a fait quelques pauses parfois, mais qu'elle s'y remettait et le cycle reprenait. Heureusement pour ses fans, Lady Gaga n'a plus besoin de chaise roulante et on espère qu'elle ne ressent plus de douleur. Mais au cas où, elle sait comment s'en débarrasser.